Salut à toutes et à tous, épisode 2 de PZM System. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fini ma cave, j'y ai installé deux mice workers, voilà, un vendeur et un mineur qui n'est pas de diamant d'ailleurs, qui est hache en pierre, enfin pioche en pierre. Donc bah, il nous a ramené des trucs. C'est pas mal tout ça déjà, hein, pour commencer. Là on a de la pierre. Et on a de la pierre. Alors ce qui est super, c'est que je vais prendre un max de pierre. Non, je vais laisser ça là-dedans pour l'instant. Ah, il y a un Enderman ici. Bah ouais, je suis désolé mon pépère, mais j'aime pas qu'on me pique des trucs. Ah bah du coup il revient pas, eh. Aura-t-il compris la leçon? Je ne sais pas. Bon voilà, en tout cas, il y a des trucs en stock ici. Là, il y a un creeper qui avait éclaté une petite partie de la baraque et j'avais pas apprécié. Donc j'ai construit un petit truc, je vais vous faire voir ce que c'est. Mais avant, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il n'y a pas de canne à sucre du tout. Dans le secteur là où je suis, j'ai fait le tour quasiment pendant une bonne demi-heure de jeu et j'ai rien trouvé. Donc j'ai décidé de partir en voyage et pour ça j'ai crafté ça, ce qu'on appelle un airship controller, un contrôleur de trucs qui volent. Ah, voilà, ça vient du mode Zeppelin. Donc vous voyez, trois leviers, quatre planches de bois, deux morceaux de fer. Alors si on fait ça et ça, on a un contrôleur d'ascenseur qui va juste monter ou descendre, hein, on est bien d'accord. Après je sais plus lequel c'est. Ah oui, il faut en enlever. Donc ça c'est toujours le contrôleur d'ascenseur. Ça c'est un truc pour faire tourner. Donc genre si vous vous tapez le trip de faire un moulin avant qui tourne et tout ça pour le trip, hein, vous pouvez. Là ici c'est toujours le même. Du coup, élévateur. Tornable. Bah alors, ah oui, et voilà. Et ça, c'est juste pour aller soit sur l'eau, enfin sur l'eau et sur le sol. Voilà. Donc nous, on va pas aller que sur l'eau et sur le sol. Quoique, tiens, pourquoi pas. Allez, on va se le prendre. On va le mettre là. Ça, on va faire un petit peu de rangement dans le coffre qui commence à être un petit peu petit, comme vous le voyez. Oh. Le cuir, on va le ranger ici parce que j'avais taper du loup et le loup laisse du cuir. Voilà. On va refaire un peu de coffre parce que là je trouve qu'on est un petit peu juste. Et du coup ben, on va refaire un max. Peut-être même éventuellement on fera après. Hop, on prend tout, ça fait 8 coffres, c'est déjà pas mal. Et là on va en avoir 4 de mieux. Ah, vous vous souvenez, le bois maintenant c'est plus un problème. Alors les coffres, du coup, on va les mettre un petit peu partout. On va commencer ici. Ah, on va en mettre tant que faire se peut. Ah, déjà pu. Ah bah ça y est. Ok. Bon. Pour l'instant les transvasements, on verra ça après. Ici je vais foutre mon verre. Le levier, oh bah on va le foutre dans le mode d'après. Hein, vous savez crafter un levier, c'est une des choses les plus simples dans Minecraft. Mais si vous savez pas, bah c'est un petit peu tant pis pour vous. On va aller se fabriquer. Ouais, on a tout ce qu'il faut sur nous. Parce que bon là j'ai déjà fabriqué une navette, enfin waouh, elle est beau. Voilà, je vous fais voir, on monte là dedans on clique droit, ça y est, hein. On peut monter non à craft rejoining world. Et eh ben qu'est ce que tu veux que ça me foute. On reclique droit, ça y est, il a trouvé un truc crafté de size 32, donc il y a 32 briques ici là. Maintenant pour monter on va appuyer sur plus et vous allez voir,
qu'on va s'élever dans les airs. Et plus on appuie, plus on s'élève vite. On appuie sur 5 pour tout stopper. Pour tourner, par exemple, à gauche, on appuie sur 4. Hein, on augmente un petit peu. C'est génial, vous trouvez pas? Voilà, on arrête. On va redescendre, hein, parce que c'est pas lui qu'on va utiliser. On va se faire un petit bateau. Hop, ça y est, il est arrivé par terre. On appuie sur 5, ça va lui calmer sa petite joie. Voilà, on peut descendre. Maintenant, le petit bateau, on va aller le fabriquer au bord de l'eau. Hein. Je crois que c'est la meilleure méthode. Et puis, bah, pour pas trop se prendre la tête, moi, ce que je vous propose, c'est juste de faire... Allez, on va en faire... Voilà. On va prendre 8 planches de... Bon, on va en mettre 3 comme ça. Tac, tac, tac. On va mettre ça au même port. On a juste besoin de mettre... Alors ça, c'est juste pour naviguer. Hein. Attention, hein. On clique droit dessus. Allez, on va avancer un petit peu. On va d'abord tourner un peu. Pour aller bien se mettre sur la flotte. Voilà, je reste dans l'axe. Ok, je stoppe. J'appuie sur le 8 pour avancer. Et c'est parti. Maintenant, on va naviguer un petit peu. On tourne, comme vous voyez. Allez, on va continuer à avancer. Hop. On va aller voir un petit peu plus loin s'il n'y aurait pas de la canne à sucre qui traîne. On va peut-être ralentir un petit peu la vitesse, d'ailleurs. Tourner par là, il y a du sable mais il n'y a pas de canne à sucre et je vous avoue que je comprends pas, c'est un peu style Hovercraft, on peut passer la terre. Ah, il y en a là. Ah, oh, bah c'était pas si loin que ça. Ok, bon bah je suis mauvaise langue. Allez, on stoppe tout, on va à la baille, on va tout ramasser et s'en faire une petite pelletée. Parce que je vais avoir besoin de crafter ce dont je vous avais déjà parlé, c'est le craftbook, c'est-à-dire le guide du crafter. Ouais, bah c'est bon, pour un début, on va faire avec. Hein. On ne peut pas grimper, c'est génial. On va être obligé de le laisser là. Pourquoi on peut pas grimper? Quoi? Quoi? Moi aussi, je vais te taper, tu vas voir. Une bestiole peut-être. Hop. Moi je dirais que là ça commence à me briser un peu le ménage, comme qui dirait. Ouais, on est à l'intérieur. Bon, et ben ce qu'on va faire, on va le casser. Ça lui apprendra. Je commence à en avoir un petit peu ras la casquette. On peut pas, on va aller par là. À moins que si on n'est pas trop bête, on pourrait peut-être faire ça. Rajouter une planche de bois en dessous. On va pas se laisser faire, vous allez voir. Mais arrête tes bêtises, toi. Tu vas te noyer. Tu crois vraiment que c'est le moment de regarder dans ton inventaire? Allez, on remonte, on remonte. Voilà. Et ben moi je crois qu'on lui a bien eu. Hein. On va pouvoir tourner peut-être. Non, on rappuie. Voilà, Size of Craft 9. Craft of Size 9, pardon. On arrête tout pour pas qu'il aille n'importe où. On avance. On avance, on avance. On peut tourner en ralentissant. Voilà, on va être bonnard là, moi je vous le dis. Ah oui, c'est vrai, il y a la petite planche de bois qui gêne. Bah maintenant on va pouvoir l'enlever. Agade. Avec une hache, ce sera mieux. Ah, il veut pas. On va le mettre comme il faut, parallèle. Rejoining world, donc c'est pas bon. On reclique. Et on arrête. Je crois que là on est... Ah non, pas tout à fait. On va faire un petit tournage de ce côté là. On reclique. Voilà. Est-ce que c'est bon hein? Ouais, ça m'a l'air top. Toi, tu t'en vas.
Ah non, tu veux pas. Donc si on va dans l'eau. Non, il veut pas non plus. Bon, ben il va rester là, lui. Hein? Eh, on peut pas le casser, lui, une fois qu'il est installé. Ok, c'est bon à savoir. Bon, bah ma maison, elle est où? Elle est là-bas. La nuit tombe, c'est peut-être pas le moment d'aller faire le glandu, mais on va être obligé. Donc ne jamais abandonner un bateau en pleine mer, hein, sinon vous ne pourrez pas remonter dedans. Faut quand même le savoir. Alors j'avais été obligé de vendre un petit peu de pierre et de terre pour trouver du mouton, alors qu'il y en avait pas loin, en fait, au final. Vous imaginez pas à quel point cela a pu me contrarier. Ah non, ma maison est plutôt par là. Qu'est-ce que je fais? Bon, allez, on va courir un peu. De toute façon, j'ai du blé qui pousse. Je pourrais me faire du pain dans pas longtemps. Une petite vache. On va lui faire lui laisser. On va lui faire lui foutre la paix, comme tu dirais. La maison est là. J'espère qu'on va pas se faire intercepter par 2-3 bestioles. Bon, un petit café en pleine nage. Parce que il faut quand même avoir la classe totale, même quand on nage. Je dirais même surtout quand on nage. Quand il tombe de 2 mètres et il se fait mal aux pieds, on est mal barré. Bon, c'est la nuit. Alors j'avais fait une bonne chasse aux monstres dans les alentours parce qu'il y en a qui étaient venus casser ma maison. Et carrément, c'est avec mots aux créatures et des espèces de géants qui vous tapent à distance sans que vous puissiez les voir. Et en plus ils cassent les maisons. Je vous conseille pas de tomber sur eux, si on en revoit je vous ferai voir ce que c'est. On va aller planter notre canne à sucre là dans le coin puisqu'il y a tout ce qu'il faut. Excusez-moi. Que ça sorte parfois. La canasse, la canasse, la canne à sucre. Voilà, j'avais laissé tout ça exprès pour pouvoir en planter. Voilà, viens là toi. Ok, bon, on va pouvoir faire du papier, on va pouvoir faire des bouquins, et avec les bouquins et le papier, on va pouvoir se crafter un petit craft guide. Va falloir laisser pousser un petit peu. Lui, je crois que je vais me le faire. Voilà. T'as vu? T'as vu? T'as vu mon gars? Ouais, je me suis fait un petit arc. Hein. Oh bah 2 œufs, c'est. Cling, cling, cling. Allez. Donc ici, il y aura tout ce qu'il faut pour planter de la canne à sucre après quand on en aura plus. Là, c'est le cassage qui avait eu lieu avec le crêpe. Donc ce que je vais être obligé de faire, c'est entourer ma maison avec de la pierre. Pour pas que les gros monstres reviennent me la péter. J'avais déjà fait une petite ravine autour, ok, ça marche. Et de la pierre, on va aller en chercher, puisque notre ami le bûcheron, non, pardon, le mineur Ch'ti, nous en a ramené des caisses pleines. Voilà, c'est du charbon, un petit peu d'uranium, on a 41 de fer, ça c'est magnifique. Le cuivre, pour l'instant, on s'en fout un peu. Je vais juste prendre ça histoire de stocker en réserve. La pierre, je vais prendre tout ce que je peux sur moi. Voilà. Et on va aller consolider la maison. Encore un intérieur bois et un extérieur pierre. Hein. Voilà. Le charbon, on va le mettre là. Le fer, on va le mettre dans le four. Moi j'aurais besoin d'un peu plus de charbon. Du coup, on va récupérer 32, ça devrait suffire largement. Hop, hop, et voilà. Non, non, tu vas. Ah oui, c'est du charbon de bois, ça, oui, ok. Bon, c'est pas bien grave. On va juste remplacer la terre qui est là, plus les différents outils qui sont pas nécessaires.
nécessaire pour l'immédiat. Par de la pierre, parce que la pierre, c'est super. Hop, allez, on commence. Vous voyez, hein, j'habille gentiment. On verra pour le haut après. Toi, t'es quelqu'un de négatif. Faire ça par mesure de sécurité, hein. C'est clair. Ça, d'ailleurs, on va faire. Toi, je te hais. Oui, voilà, tout simplement, tu as toute ma haine. Alors, en une seule seconde, tu viens de me transformer dans en pire des monstres qui puissent exister sur la planète. Je vais bien faire le canard. Et ça n'est pas la peine d'essayer de m'enchaîner. Quack, quack. Un petit peu plus de place pour travailler. Ce qu'on n'est pas obligé de faire, hein. Ouais, je casse à la pierre comme ça, c'est juste pour les outils. Hein. Voilà, dégage, hop. Ça m'aura pris moins de pierre que ce que je pensais. Du coup, ça, ça peut dégager. Elle est là. Voilà. Non, non, toi, tu es quelqu'un de mauvais. Allez, dégage, dégage. On verra ça après. Ok. Petit cochon. Toi, t'es de la matière mauvaise. La pioche. Ah, pour les finitions. S'il te plaît, ne sois pas si vulgaire. Hein. Voilà. Je vais quand même délimiter un petit périmètre de sécurité. Voilà, maintenant on va monter sur le toit. Toi, mon toit. Mon roi. Oui, je sais. En hommage à Pierre Mauroy, d'ailleurs. Toi, mon tout, mon roi. Eh oui. Alors. Ok.
Eh oui, le toit aussi, je protège tout. Au cas où il y en aurait un qui atterrirait dessus, comprendrait vite que tout détruire n'est pas possible. Bon, je ferai pas de premier étage à la maison. Toi, t'as joué à un jeu qui ne me plaît guère. Et avec mot créature, faut dégager de là. Faut protéger à la pierre. Hein. Pierre et bois, ce sera très isolant. Paramètre non pris en compte d'ailleurs dans Minecraft, ce qui est quand même assez dommage. Parce que si le personnage se caillait peut-être un peu les miches, ça lui ferait pas de mal. J'ai vu qu'il y avait un mode qui permettait de mourir de froid quand on était trop longtemps dans un biome neige, par exemple. C'est pas bête. Oh non, mais là, ça, c'est des trucs, tu vois, mais ça donne envie de taper, quoi. Non, pas vous. Peut-être pas aussi violent que moi. Eh, c'est bientôt fini. La nuit tombe en plus gentiment là. Je vais me faire une bonne vieille porte en fer aussi. Comme ça, vraiment, vous allez voir qu'on sera pépère. Voilà des petits renforts. Chouette commence à ululer. Et voilà, on se fait même pas mal. Et ça c'est bien. Et ça c'est drôlement bien. Il y a de la terre dans le coin. Ouais, on va la mettre là. Ah ouais, bah ouais, vaut mieux la mettre là, ouais d'ailleurs, parce que on tombe directement dans la cave. Faudrait que je renforce mon toit de cave aussi, peut-être. De toute façon, je me laisserai pas faire par les événements, faut pas croire. Bon, vous voyez, on est pépère, j'ai torché, il y a du blé qui pousse, on va très rang. On va faire avec. Ah, bah, ça y est, tout est cuit, dis donc, ouais, c'est magnifique. On va se faire une bonne porte en fer. Ah, même en faire deux, parce que je vais protéger ma cave aussi. Alors on va la mettre là pour l'instant. On va casser cette porte-là. Et on va en mettre une ici. Comme ça. Oh, j'ai eu de la chance sur ce coup-là, je dirais bien. Alors là, il faut casser ça pour l'instant. Ah bah non, c'était pas la peine. Il y a juste une plaque de pression à mettre. Une plaque de pression en pierre, hein, je crois, qui se fait comme ça, non? Ah bah si, regarde. Eh. Non, c'est de l'admidal, ça. Ouais. Pas de la dalle, quoi. J'ai la dalle. Non, c'est pas ça non plus. Toi, tu viens là. On n'a pas besoin de toi. Juste comme ça peut-être.
pas en pierre. Ah, c'est de la pierre cuite. Voilà. À chaque fois, je me fais avoir. À chaque fois. Bon, petit café pendant ce temps-là. Parce que là, maintenant, celui qui va venir me bousiller ma baraque, il est pas né, je vous le garantis. Et s'il faut en remettre une deuxième couche, on en remettra une deuxième couche. C'est pas vraiment un souci. Et oui, nouveau mode, nouvelle façon de faire. On va attendre théoriquement, je crois que c'est avec deux. J'ai pas de redstone, je vais pas pouvoir faire d'ordinateur et ça m'embête un petit peu d'ailleurs parce que j'aurais bien voulu protéger ma porte. Voilà, on va en faire deux. Hop, une plaque de pression pour la sortie. Mais non, mais arrête de faire des trucs comme ça, arrête. Ok, bon, pour l'instant faut pas oublier que quand on sort on peut plus rentrer hein. Alors ici, vais-je pouvoir faire la même chose? Oui, si je mets la plaque de pression ici, normalement. Voilà. Et la porte en fer. Je ne l'ai pas encore faite. Vous vous rendez compte, les gars? Vous auriez pu me le dire. Vous voyez faire des trucs et puis après vous dites rien. Comment voulez-vous que je sache? Ah, mais c'est vrai, quoi. C'est un peu lourdingue comme histoire. A chaque fois c'est pareil, je compte sur vous et puis. Ok, on va aller se refaire une petite plaque de pression, même deux. Parce que sinon on va être embêté pour rentrer et sortir. Voilà. Comme on dit hier. On va y rajouter un petit bout de terre. Tac. Et voilà. C'est top top. Là, la plaque de pression, celle-ci, on va la mettre dehors. Juste devant. Voilà. Ok. Eh, c'est pas mal quand même. Hein? C'est la nuit? On va aller dormir. Petit café. Voilà. Bon, j'ai trouvé de la canne à sucre qui devrait pas tarder à avoir poussé. Ah, je suis en train de me raser, hein, c'est pour ça que je prends un peu de temps. Voilà, voilà. On va aller voir s'il n'y a pas des petites récoltes à faire. Non, il n'y a rien de mieux encore pour le blé. La canne à sucre, il n'y en a qu'une qui a monté de niveau. On va la prendre et la planter. Voilà. Et on a un requin. Ah non, c'est un petit dauphin, eh. Salut Pépère, t'es beau. Ah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai cliqué droit sur le dauphin et il a pas aimé apparemment. Il m'a envoyé dans les airs. Voilà, ça y est, t'es rentré chez toi. Je vais recommencer. Hein. Non, il veut pas. Allez, pousse-toi. Va. Bah ouais, bah tu, on se verra plus tard. On se verra plus tard. Je me documenterai sur la façon d'adopter un dauphin. Ah, petit poney. Petit poney. Ils sont mignons, hein? C'est ton fils? Il est beau.
droit sur le cheval, mais ça fait rien du tout. Et disons, il y en a du cheval aujourd'hui. Hein. Du mouton dont j'avais besoin, mais maintenant ça va. Pourquoi il n'y a pas de fenêtre là? Ce serait... C'est moi, je crois que j'ai... Voilà. Ah non. Bah oui. Alors, on n'avait pas mis de fenêtre là. Bah, pff, n'importe quoi. Oui, mes amis les chevaux, vous êtes les bienvenus sur mon territoire. On va prendre le verre. Et le verre, il est là. Bon, allez se faire une petite fenêtre quand même. De ce nom. Voilà. Bon, ici, c'est une table de craft, industrial craft ou build craft, je sais plus trop. Qui avait l'avantage de garder en mémoire le craft qu'on lui donne. C'était pour vous faire voir comment j'avais crafté. Mon ovni. Donc ce coffre là contient beaucoup de choses. D'ailleurs tiens, on va transvaser un peu. Donc je vais faire dans l'ordre, on va faire pierre, terre. Pierre, terre et sable, ouais, hein, d'accord, allez. Tout ça, là, c'est parti. Ah, de la pierre cuite, on va la mettre en bas. La terre, on va lui en donner un déjà pour faire voir que c'était son. Le bois, on va le mettre là. Ok. Donc ici, c'était tout un tas de petits trucs, mais on va mettre tout ce qui est reliquat. De monstres, c'est bon. Tiens, le verre, on va le mettre là. Ah non, c'est le bois. Ah, c'est là. Non, ça c'est le charbon. Bon, on va le garder là, le charbon de bois. Donc, dans mon inventaire, ah oui, les métaux. Bon, bah, on va plutôt mettre tout ce qui est métal ici pour l'instant avec le charbon. On va descendre dans la cave. Donc est-ce qu'il a rapporté des trucs depuis l'autre fois? Non, pas tellement. Pas dire qu'il... Ah. Charbon. Donc ça bah aussi c'est pareil, on va le prendre. De toute façon. On va pas le passer, ça c'est la pierre. Merde, c'est pas le bon bouton. Ok. Et ici il va nous rester de la terre, du gravier et de la pierre. Bah, de la terre on va en prendre un, sinon il nous reste un espace. Bah tiens, eh, nous en reste même 3. Allez, allez. Il y aura du charbon par terre. On va mettre un petit escalier pour descendre correct. Alors ici c'est la pierre. Ok, là c'est la terre. J'en ai encore, non c'est bon. Là c'est le bois, donc on va aller dévaster une petite forêt pour le plaisir. Ah oui, c'est vrai, lui, c'est pas du vrai. Voilà. Ok. Métal. C'est là. Ah. Métal. Ok. Uranium. On va le mettre ici. Ok. Là, on avait mis quoi? Des os et tout ce qui est reliquat. Très bien. Là, on avait mis rien. Donc je vais mettre le verre, le sable, le gravier, les trucs comme ça. Ah. On s'organise petit à petit quoi. Hop. Alors l'obsidienne m'a été donnée justement par les deux monstres qui étaient venus casser ma maison.
Je connais pas leur nom, et puis à la rigueur, je sais pas son nom, je ne sais rien de lui, mais j'ai pas envie. Voilà. Alors hop, pour l'instant, tout ce qui est là, c'est du verre. Les reliquats, ça va aller ici. Un reliquat, tout ce qui est tombée des monstres. Ok. Là, le charbon, bah ça c'est du charbon de bois, on va le garder, on va faire de la torche avec pour la peine, tiens. Métal, j'en ai plus, non, c'est bon. On avance, du bois, on le met tout là. Avec les planches aussi, juste en dessous éventuellement. Non, non, tu viens en bas, voilà. Ça roule la terre. Voilà. Ouais, la pierre. Je pense à mon pote Denis. Moquer, 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 moquer. Ça roule. Là, ce qui reste, on va tout mettre dans l'inventaire. Voilà, on va. Non, mais tu avances, tu te dépêches. Donc le sable, j'ai dit qu'on le mettait là. Le gravier, on le mettra là. Ça, c'est du reliquat. Donc ça, c'en est, ça, c'en est, ça, c'en est. Bon, du coup, l'obsidienne était un reliquat, mais c'est pas un vrai. Ok. Là, c'est le charbon, mais il n'y en a plus à mettre. Tu re-rentres dans mon inventaire, merci. Le bois, c'est bon. La terre, les métaux, et eh oui, les métaux. Voilà. De l'étain. Ok. Bon, tout ce qui est four et... Avec le bois, tiens, avec le bois, on va mettre les bâtons. Voilà. Pelle en bois, on va la mettre là parce que franchement, voilà quoi. Reliquat, vas-y, autre. Voilà, ça c'est des reliquats de la nature. Hein. C'est quand même des reliquats. D'accord. Une porte en bois. Vous voyez ce que je veux dire? On va mettre l'hache, la pioche plutôt ici, voilà. Les petites fleurs, pareil, hein, allez en dessous. Mais... Charbon, j'avais oublié de le mettre celui-là. Non, là-bas c'est pas lui non plus. C'est là, non, c'est là, ouais, c'est là. Hop, Shift 8. Ok, bon, ça prend tournure. Là, ce petit coffre-là va contenir le reste. Ah, tout ce qui n'a pas été. Ah, l'obsidienne, on va la mettre peut-être avec. Non, que ça. Ouais, pourquoi pas ici. Hein? Voilà. Bon, ça commence à faire de la place. La pelle, on va la mettre là. Plutôt ici. J'ai mon petit ordre à moi. La canne à pêche pour adopter un petit chat. Ok, tout ça, ça peut. Hein, d'accord. Bon, eh ben c'est déjà ça de fait. Hein. À prendre quelques bâtonnets. Voilà. Tac. On va. Non, toi tu dégages. On va aller faire de la torche puisqu'il nous reste du charbon de bois. Hop. Et voilà. Ah bah, il nous en reste encore. Va ranger les bâtons. Ok. On va mettre un petit. Non, on va le garder sur nous, le stock de torches. Bon, ça y est, on a fait un peu de ménage, ça fait pas de mal. C'est la nuit. Je vous propose de faire dodo. Journée bien remplie, hein. On va aller voir le reste. Ici, il n'y a plus rien. Ici, encore de la pierre et du glavier. Là, il n'y a plus rien non plus. Lui,
lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il a l'air de bosser, hein. Il n'a pas l'air de demander quoi que ce soit, non, nickel. On va remonter, non, j'ai rien à acheter pour l'instant, j'ai plein de fer. On va faire des escaliers. Non, c'est là. Et les escaliers, si je me souviens bien, ça se fait comme ça. Comme ça aussi. Ouais, voilà, nickel. On va s'en faire une bonne pelletée, hein. Voilà. On va ranger la pierre là-dedans. Ça roule. Le clavier. Ah, on va le mettre avec la terre. Voilà. Petit clavier. D'ailleurs, on va pas en stocker beaucoup. Ça sert à cut. Donc, ce qu'il faut, c'est prendre une pelle. D'abord, une pioche, d'ailleurs. Non, une pioche. Voilà. Pioche, une pioche. T'as compris? Une pioche. Ah, le petit piège dans lequel je suis tombé. Ah bah ouais, c'est carrément oui. D'accord. Voilà. L'escalier, ça se met en face. Voilà. Eh, ça a quand même un petit peu plus de gueule, hein. Ok. On y arrive un petit à petit quand même. Ça serait dommage. Bon, le petit dauphin, il est encore là. Les chevaux, pareil. On est moins embêté par les monstres, hein, apparemment. Ah, super, la canne à sucre. On va s'en occuper. Je ne crois pas qu'il y en ait dans l'eau. Et heureusement. Hop, j'ai failli me faire piquer par une raie. J'aurais eu la raie mentalo. Ah, on peut pas ici. Bah oui, alors on va lui faire un petit truc. Voilà, maintenant on va pouvoir. Tu vois? C'est pas complexe la life. Quand on a envie de se donner les moyens. Hein? On va aller de l'autre côté, histoire de terminer les trois qui nous restent. Voilà, ça prend forme. Bon, pour ce qui est du blé, j'ai pas vraiment besoin. C'est juste pour la forme. Un œuf d'autruche, on va lui piquer, mais elle va nous attaquer. Oh non, non, mais je ne voulais pas te faire de mal! Ah, elle file pas de viande l'autruche, hein, alors qu'il paraît que c'est super bon. Un beau cheval noir. Pur sang arabe. T'es beau toi. T'attaques pas les gens. Bah non. On va ranger tout ce qui nous échoit à ranger. Donc ici, on n'a rien à mettre. Du sable. Oh non. Nickel. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, on est bien. Ça, on va le ranger. Hein. On n'a pas besoin dans l'immédiat. Canne à pêche? Yes, you can. Comme dirait notre ami Obama Joe. Enfin, ami, c'est vite dit. Hein. C'est de l'humour quand je dis ça. T'es qui toi? Ouais! Marrante! Ils sont marrants ces petits animaux là. Bon allez, canne à pêche. Canaille pêche. La pêche est un sport de longue distance.
Ah, ça y est. Ah non, ça y est plus. J'ai plus rien à manger, donc du coup je vais peut-être me contenter de quelques poiscailles. Et dis donc, il n'y a pas grand chose dans le secteur. Donc je ne sois pas assez patient, j'en sais rien. Yes. Alors théoriquement on les jette loin les poissons, donc je sais pas, non c'est bon, il est dans l'inventaire. Il est pas dans l'inventaire. Bah, il est où mon poisson? Where is my fish? C'est toi qui me l'as bouffé mon poisson? Bah dis donc, tu t'emmerdes pas l'ours là. Hein, tu t'embêtes pas. Va vite là parce que j'ai faim. Je vais te remettre dans l'eau. Bah, je vais pas te faire de mal. Bon, eh ben on va creuser, hein, histoire du, que tu puisses retourner dans la flotte. Je sais pas, tu vois, je suis. Ah là, le vilain petit méchant. Je t'ai pêché sans faire exprès, moi, tu sais. C'était pas par pure méchanceté. Si j'ai tout récupéré, j'espère. Bon bah du coup j'ai plus faim. On va se rhabiller hein. Bah excuse-moi le dauphin hein. Je te jure que c'était pas prémédité. J'ai appuyé sur la mauvaise touche au mauvais moment et voilà quoi. Pourras-tu à jamais m'excuser pour ce geste impardonnable? Tu ne sais pas. J'avais une hache. J'avais une hache! Bah, elle est là. Bon, allez, on va pêcher encore. À tomber. Allez, juste un petit poisson pour adopter un petit chat. Allez, s'il te plaît. Je sais que tu peux faire ça pour moi.
Ah, sois pas vache. Ouais. Bon, ok, allez, on laisse tomber la pêche pour l'instant. Ouais, comme tu dis. Petite souris. Quack, quack. Dodo. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne nuit. S'il y en a qui vont se coucher comme moi là, actuellement. J'avais pas vu, il n'y avait pas un petit rat qui traînait là. Nous ne sommes pourtant pas à l'opéra. Allez, à la prochaine avec plaisir.